Ah!
On a bien entamé, on a eu beaucoup de la conservation du ballon. On n'a pas concrétisé nos occasions en première mi-temps, mais c'est arrivé en deuxième. Et après, on s'est mis un peu en difficulté en reculant un tout petit peu. Et par contre, le point positif, c'est que physiquement, on a tenu dans les prolongations. Et du coup, ça nous a permis de marquer. Et on est resté solide après, donc c'est positif. On est content de la victoire, et plus que de la victoire, c'était le contenu, parce que le contenu était bon. Plutôt une bonne première mi-temps et une deuxième qui est très aboutie où on doit marquer. Par contre, on va se mettre à l'abri. On a la balle de 2-0 à plusieurs reprises. Et après, malheureusement, un coup du sort, ballon relâché, un but alors qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Voilà, sur les prolongations, on a fait le job aussi. Mais dans le contenu, voilà, plus que la victoire, parce que pour nous, la Coupe Rhône-Alpes, c'est avant tout pour préparer le championnat. On est content de la qualité de jeu qui a été démontrée. Ça nous a permis de bien travailler pour Bourg-en-Velin, qu'on reçoit la semaine prochaine. Voilà, donc moi je félicite les joueurs. On aurait pu se passer quand même des prolongations parce qu'on aurait pu faire la décision avant. Mais on peut se satisfaire de cette victoire. Parce qu'on est venu avec une équipe très très jeune. Très jeune, et bon, ils se sont battus avec leurs arguments. Et puis bon, on prend ce but en prolongation qui nous fait mal. On a su revenir au score pendant le match. On avait fait, je pense, le plus dur. On espérait les pénalties, aller à la séance de pénaux, essayer de tenir jusqu'à là. Bon, après, on prend le troisième but en contre, qui est anecdotique. Et puis bon, on arrive à revenir à 3-2. Donc, c'est bien, ça prouve qu'on a des ressources. Puis, surtout, je suis quand même assez fier des gamins qui ont joué, qui jouent habituellement en réserve et qui montent de 19, qui ont joué aujourd'hui parce qu'ils ont fait vraiment, vraiment un gros match.